Bonjour, bienvenue, namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du week-end du 26 et du 27 février 2022. Si c'est votre anniversaire ou votre fête, eh bien, je vous souhaite de passer deux excellentes journées. Voilà. Alors, nous allons voir pour commencer ce qu'a à nous dire l'oracle de la triade. Avec une coupe, fausse coupe, donc on aura trois cartes. Nous avons l'équité pour commencer, donc une remise à niveau, quelque chose qui arrive à un équilibre, notamment sur le plan judiciaire ou juridique. Ici, l'épreuve. Et la protection. Voilà. Donc, pour les personnes qui sont lancées dans certaines procédures qui sont longues et fastidieuses, eh bien, on vous dit que vous êtes protégés, que vous allez en voir la fin et que cette épreuve, eh bien, non seulement vous aura fait grandir, mais en plus de ça, va vous apporter quelque chose de plus. Alors, bien entendu, le fait de savoir que nos mérites et notre bonne foi sont reconnus, le fait de savoir aussi qu'une injustice a été dévoilée et le fait d'être assuré, d'être protégé par la société, par les gens qui nous entourent, par la loi aussi, tout simplement. Voilà. Sur le plan de la santé aussi, là on a la déesse Salus avec la déesse de la victoire ici. Et là nous avons un caducé. Certaines personnes qui ont des passages difficiles sur le plan de la santé vont avoir un résultat satisfaisant. Alors si vous passez des examens ou si vous devez subir une opération, restez positif, optimiste et surtout accrochez-vous parce que là on a une belle protection et je sens beaucoup de prières également de votre entourage pour vous, y compris même de gens que vous ne connaissez pas forcément à qui on a demandé de prier. Voilà. Alors, on va voir à présent avec le tarot vision un complément. Et nous avons le 7 d'épée. Alors avec le 7 d'épée ici, on indique un succès. Alors un succès en relation avec une bonne nouvelle, un succès aussi professionnel. Alors, on peut avoir une promotion, ça j'en ai parlé les jours précédents. On peut montrer que l'on avait raison de faire d'une certaine manière et finalement, on s'est montré suffisamment hardi, débrouillard pour être suivi. Et donc, on a l'âme d'un chef. Donc, plus de responsabilités peuvent vous être données. C'est une excellente carte aussi pour les communication et la communication au sein de la profession et tous les métiers liés à la communication. Là, véritablement, on sent que vous passez un cap très important pour votre carrière. À côté de ça, moi, je sens des gens qui bougent, qui se déplacent, donc il peut s'agir d'artistes également. La réussite, bien entendu, sur les soucis, comme je disais au préalable, la réussite sur les soucis de santé et le fait de gagner au tribunal et pourquoi pas aussi si l'on a été confronté à un ancien employeur qui nous a empêché d'avancer, notamment au prud'homme ou l'équivalent dans un autre pays, eh bien,
vous obtenez gain de cause et des compensations. Voilà, donc là c'est plutôt bon hein, comme présage. Ici nous avons, alors bien entendu, si vous n'avez pas la nouvelle samedi, vous l'aurez dans les jours qui suivent. Voilà. D'ailleurs, mon œil est attiré par le 7 écrit en toutes lettres ici. Donc, sous 7 jours, vous devriez recevoir un pli, hein, quelque chose d'officiel qui va corroborer la nouvelle. Alors, la lune ici. Donc, pour certains, ça va être le temps du repos, hein. Les bonnes nouvelles et les victoires, c'est bien. Mine de rien, vous êtes toujours inspiré, vous avez toujours des idées, des choses à mettre en place, à réaliser. Là, il y a quelque chose qui va être assez rapide. Vous allez enfin passer cette étape que vous attendiez tant. Et puis alors, ce week-end, quelque chose se fait rapidement. Quelque chose que vous aviez prévu de faire, que vous n'aviez pas pu faire jusqu'à présent, mais ça va être fait très vite et très bien. La croisée des chemins ici qui indique le besoin de faire un choix. Encore entre deux choses qui peuvent vous intéresser. On peut vous proposer une promotion là où vous êtes et en même temps, vous pouvez être courtisé par d'autres employeurs potentiels aussi. Pour les gens qui travaillent dans la restauration également, j'ai l'impression que quelqu'un veut vous débaucher pour vous faire travailler chez lui ou chez elle. La montagne. Alors prenez le temps de la réflexion. Voilà. En fait, vous aurez peut-être du mal à vous décider. C'est peut-être pas encore le moment ce week-end parce que là, ça vous pose problème dans le sens où, ben, en plus des habitudes, on a les acquis dans une entreprise et si on est courtisé pour aller ailleurs. Ça veut dire quitter quelque chose et prendre des risques aussi. Hein, voilà. Alors n'oubliez pas que vous êtes protégé, hein, et simplement un temps de réflexion à ce niveau-là. Hein, ça ne concerne pas cette chose ponctuelle là que vous faites vite et bien, mais ici, prenez le temps de la réflexion. Voilà. Faites bien le point sur ce que vous avez réalisé, ce que vous avez acquis, sur ce que, à présent, vous avez véritablement besoin de vivre. Alors, peut-être pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, plus intime, plus en relation avec vos amours, vos amitiés, votre famille. Alors, nous allons à présent passer au tirage de deux cartes du jeu de Yagel-Didier. Alors, j'ai les enfants qui viennent de se retourner. Décidément, on voit beaucoup les enfants. Alors, la joie de vivre, les bonnes nouvelles, le soleil éclatant, l'oiseau, la colombe, l'espérance, la joie.
Eh bien, le soleil, le voilà. Il est tombé juste après. Alors, c'est merveilleux, que de bonnes nouvelles. Quoi qu'il arrive, vous avez raison de prendre votre temps. Vous avez raison de dire au revoir à certaines choses, de dire au revoir à certaines vieilles douleurs, à certains vieux embêtements. Voilà, donc là, on y croit, hein. Donc, la croix, bien entendu, c'est la fin de quelque chose et l'espérance en quelque chose également. Donc, vous avez peut-être du mal à y croire, peut-être que sur le plan énergétique, vous aurez un peu de mal à vous adapter aussi à cette chape de plomb là qui disparaît, hein, effectivement. Et quant à vos projets et aux choix que l'on vous donne, prenez le temps d'en discuter avec les vôtres, hein, votre partenaire de vie, vos enfants s'ils sont assez grands, voilà, vos meilleurs amis, etc. Mais surtout votre conjoint, votre conjointe, si vous êtes à deux, et pesez bien le pour et le contre. Et puis je pense que certains aussi feront les choses dans l'intérêt de la famille, hein, de façon générale aussi, hein. Là, je crois que pour certains, la carrière a bien évolué et on n'a plus rien de spécial à prouver de ce côté-là aussi. Voilà, dans certains cas, bien entendu. Alors, on va voir le grand oracle de l'amour. Alors, cela vient de se retourner, les projets, effectivement, là, qui voient le jour, hein, voilà, qui se réalisent, hein. On a un œuf qui éclot ici. Donc, les projets liés à l'amour des siens, à l'amour de son partenaire, de sa chérie, l'amour de sa famille, de ses enfants, tous les projets de la vie domestique, hein, de la vie familiale, de la vie amoureuse ici sont en train de voir le jour. Donc pour les personnes qui avaient sacrifié un peu leur vie privée pour leur travail, eh bien, elles peuvent lever le pied et se consacrer un peu plus à leur vie privée, hein, également. Voilà. Et puis là, la confirmation de naissance, hein, on a quand même la lune, la protection également sur la personne qui va en clinique, hein, donc là, on peut effectivement voir la maternité. Et donc les enfants encore, un hein, projet là avec les œufs, les enfants. Donc décidément, ça aura été quelques jours, on aura énormément vu les enfants. Hein. Voilà, alors on va voir à présent les cartes qui vont figurer sur Instagram pour la prolongation de cette grande guidance quotidienne. Alors, le tarot de Mary Hanson Roberts. Ici, nous avons le 4 d'épée. Voilà, hein, on prend du recul. On fait la pause nécessaire de façon à réfléchir, à reprendre son souffle. Il est possible que certains parmi vous aient pris plus que le week-end d'ailleurs, hein, pour réfléchir. Hein, voilà. 4 jours, c'est bien, effectivement. Donc, une bonne période de retrait. Si quelqu'un est encore à l'hôpital, là, les derniers jours sont les meilleurs pour le rétablissement aussi. Voilà. Alors, les 2 cartes complémentaires. Avec le jeu le Normand. Nous avons la croix à nouveau. Nous avons souvent des doublons, hein, dans les symboles au quotidien. Ce sont des confirmations, hein. La fin d'une chose pour le début d'autre chose et les espoirs ici confirmés par l'étoile. Voilà les étoiles. Donc, c'est vraiment très bien, hein. Un passage d'une étape comme ça. Et beaucoup
d'espoir. C'est vraiment très beau. Avec l'oracle d'Ève Corrigan. Alors j'en ai une ici qui est... Ah ben, j'en ai une autre qui s'est retournée. J'en ai une qui est tombée. Je vais prendre celle qui est tombée sur le tapis. C'est la lune. Alors, beaucoup de soleil et puis la lune. La lune également, deux fois, hein, pour ce jour. Donc la lune confirmée. Voilà. Alors, le petit oracle victorien. La lune, la féconde mère au ventre moiré, porte tes rêves pour les réaliser. Rêve et imagination sont ses messagers pour t'aider à enfanter une jeune réalité. Écoute-les. Eh bien voilà, enfanter une jeune réalité. C'est tout à fait ça. Voilà. Hein, dans le monde des idées, de la créativité, c'est totalement ce qu'il vous fallait. Eh bien, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera donc pour la guidance de lundi 28 février. Voilà, le dernier jour du mois. Je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.